tout le monde, c'est Superflu, comment vous allez? Moi ça va super bien, on se retrouve sur GTA en live pour vous montrer un bateau qui est dans l'eau. Donc rappelez-vous, je vous ai montré, si je me rappelle bien, à côté par ici, un avion qui était dans l'eau, et un peu plus loin si je ne me trompe pas, par ici, les camions de l'armée qui étaient par ici, je sais plus où, là dans le coin à peu près, et là on a un peu plus bas, donc juste ici, à côté des trois îles, 1, 2, 3, vous prenez un petit repère avec la petite route qui se finit là et celle qui finit en boucle. Donc ici, ici, comme sur la vidéo, et vous allez plonger dans l'eau, vous allez voir que il y a un gros bateau de ça doit être un port de conteneurs, si je ne me trompe pas, ça s'appelle bien comme ça, qui est au fond de l'eau, et c'est vraiment assez impressionnant. Donc le voilà. Il est super grand, en fait il est coupé en deux, donc il a coulé et on peut rentrer dedans, mais donc là j'ai pas de sous-marin parce que c'est pas assez profond en fait, donc je peux remonter plus facilement pour reprendre la respiration comparé à la dernière fois avec l'avion. Voilà, c'est plus facile, vous allez voir qu'il est vraiment cassé en deux, donc à mon avis il a coulé, on est vraiment voilà, il s'est brisé, donc on va remonter là, hop. Donc rentre en deux, vous inquiétez pas, je vais monter et redescendre pour bien respirer, donc il y a des conteneurs. Et si je me trompe pas, dites-moi si je me suis pas trompé, si c'est bien un bateau porte cargo. Je vous ai dit porte cargo, ouais, je crois que c'est un porte cargo. Enfin, je sais plus. Donc c'était pas le bon endroit, je vous ai montré. Voilà, vous avez vu la deuxième partie qui cassait, elle est là-bas. Donc on peut rentrer dans, je vais vous montrer. En fait, le côté, je vous ai. Voilà, il y a deux entrées, donc on peut rentrer dans. Donc je vais remonter et redescendre. Et vous allez voir, c'est assez impressionnant de voir ça quand même. C'est dommage que j'ai pas de sous-marin. On m'a dit, soi-disant, qu'on pouvait trouver dans l'armurerie, comment s'appelle, la bouteille de plongée et tout. J'étais voir, j'ai pas trouvé, donc j'aimerais bien savoir si c'est vraiment vrai ou si c'est un fake ou pas. Parce qu'on m'a dit, ouais, va dans l'armurerie, tu vas trouver. La bouteille de plongée et tout, j'étais à l'armurerie, je l'ai pas trouvé du tout, donc je pense que c'est pas vrai parce que voilà, c'est un peu embêtant. Si c'est petit moelleux, parce que j'ai fouillé dans l'armurerie et j'ai pas trouvé, il y a une personne qui m'a dit c'était dans l'armurerie en plein milieu, dès qu'on rentre dans l'armurerie, j'étais voir et j'ai rien trouvé du tout, bon, mais c'est peut-être un gros fake. Donc voilà, donc au début il y a des conteneurs bien partout, ça fait impressionnant, on peut pas, voilà, je pense que. Je sais pas si je peux prendre ma lampe, non je peux pas prendre ma lampe. Là je peux rien faire, c'est 5%. Bon, celui-là il est un peu cassé mais voilà il n'y a rien. On va aller voir juste devant, on va remonter vite à la surface et on va aller voir devant. Allez dépêchez-vous, 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 plus j'ai plus beaucoup de vie. Allez, 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 allez. Ah. On va aller voir le devant. Par contre il y a des aigles, donc bien sûr on voit un peu mal. L'avant du bateau, je sais pas où il se trouve. Alors ça c'est cool. Pourquoi c'est marqué apnée avec Trevor, mon personnage s'appelle Trevor. Ils sont cons quoi. Il y a un souci, il dit que mon personnage c'est Trevor, c'est pas Trevor. Donc là c'est l'avant du bateau. Donc hop, et on va aller voir la deuxième partie qui est le côté où je vous ai montré. Et on va essayer de rentrer encore une fois dedans. Donc voilà, vous avez vu, c'est pas assez c'est pas profond comparé à l'autre. Donc voilà, il y a des morceaux un peu partout, comme vous le voyez, des pavés de bateau. Et voilà, c'est pas assez profond, donc voilà, on peut remonter entre deux. Pour prendre la respiration, c'est vraiment pas mal. On peut y aller en sous-marin, mais je suis pas vraiment un pro de sous-marin et j'en ai pas trouvé. Puis même, je me suis écrasé avec mon avion dans le coin, donc c'est pour ça que je suis tombé dedans. Un avion militaire que j'ai volé, donc voilà. On peut vraiment aller jusqu'en bas du bateau. C'est vraiment impressionnant. Putain, il va pas remonter. Allez, con. Donc, bien sûr c'est pas de petite panique, je précise. Voilà, en fait alors je vous ai montré par là. On va aller après le côté. On va aller vers l'arrière du bateau. On va voir les hélices, on va. Voilà, on va faire une petite visite du bateau. C'est vraiment impressionnant et c'est vraiment assez cool. Donc voilà, on est à l'arrière du bateau. Après tous les noms des il y a des noms après derrière, donc moi je sais pas comment ça s'appelle, il y a Tribeur et tout, moi après voilà je connais pas tout non plus, je suis pas un pro, il n'y a pas l'hélice, ça doit être ça en bas, non je pense, ouais peut-être, je sais pas,
Oh là, il y a. Et ça fait vraiment le reflet dans l'eau, c'est magnifique. Regardez le reflet dans l'eau. Attendez, je redescends. Regardez le reflet qu'on voit à la surface, ça fait magnifique. C'est magnifique. Donc là, il y a les cheminées. Voilà, je peux pas vous dire des noms que je connais pas. Je vais pas vous dire si c'est Tribeur ou Ababeur et tout. Je vais pas dire des conneries, bien sûr. Si vous connaissez encore d'autres endroits, s'il y a des bateaux, soit qui ont coulé ou n'importe où au fond de la mer, logique. Bah dites-moi les en commentaire, ça me fera super plaisir de vous montrer en vidéo. Putain, je voulais descendre plus bas et je sais pas. Allez, remonte-toi, putain, il a bugué. Il y a une échelle, il y a tout. Par contre, là, je crois que j'ai vraiment moyen. Ah merde, pourquoi il a été ce bloc là? C'est chaud quand même. Non, mais c'est bien, ça fait une petite visibilité. Voilà, ça fait. C'est pas mal. Voilà. On va redescendre là pour la dernière fois, dans la dernière plongée, et on va rentrer. Bon, il y a des grues, je pense, c'est de des grues, ça. Je sais pas du tout c'est quoi, c'est de des grues pour charger les. Hop, on va essayer de rentrer dedans. Ah, je peux pas rentrer. Ah, là, j'ai arrêté magnifique de rentrer dedans. Imagine, je tombe nez à nez avec un requin ou avec des meurs. Ou... Ça a été vraiment stylé si ce Rockstar pouvait. Réajouter, je sais pas, genre des squelettes ou. J'ai des conneries comme ça, mais voilà, ça peut être intéressant. Donc là, on est bien dans le bateau. Donc voilà, ouais, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de laisser un petit j'aime et de me dire en commentaire si ça vous a plu ou pas. Et moi, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Et ciao, bye bye tout le monde, et peace!